tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du café. Plus précisément, de la mare de café. Pourquoi je vais vous parler du café? Parce que de 1, j'adore le café. Café du matin, quoi. Mon premier café, la première gorgée, c'est... Tout d'abord, la mare de café est riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux tels que le potassium, le calcium, le magnésium et le phosphore. Moi, je me fais un masque que j'adore au café. Le résultat est vraiment, franchement, il est top. Donc, une cuillère à café de yaourt, une cuillère à café de mare de café, et vous mélangez le tout et vous mettez ça sur votre visage. Vous le laissez poser environ 15 minutes et ensuite, vous le rincez. Mais avant de rincer, vous vous faites un gommage. Parce que comme il y a les petits grains, ben justement, ça fait un effet gommant qui émet vraiment. Mais après le rinçage, votre peau est vraiment éclatante. Vous avez aussi le masque éclat au mare de café. Vous mélangez une cuillère à café de mare de café, une cuillère à café de miel et une cuillère à café également d'huile végétale. Vous pouvez prendre d'huile d'amande douce, d'huile d'argan. Vous mélangez le tout et vous mettez ça sur votre visage. Vous laissez également poser plus ou moins 15 minutes et ensuite vous rincez à l'eau tiède. Vous allez voir, le résultat est extraordinaire. Vous allez avoir une peau éclatante. Vous pouvez aussi utiliser la mare de café comme anti-cerne. Vous allez me dire anti-cerne? Anti-cerne? Oui! La mare de café combat également les poches sous les yeux car il combat la micro-circulation. Il réduit la taille des vaisseaux sanguins et draine l'eau habituellement accumulée à cet endroit-là. Il est recommandé de combiner la mare de café avec de la vitamine K qu'on trouve généralement dans l'huile d'olive. Alors pour cela, vous mélangez une cuillère à café de mare de café et une cuillère à café d'huile d'olive. Vous mettez ça sous la poche de vos yeux et vous laissez poser 15 minutes. Attention quand vous rincez, comme la mare de café se faufile un petit peu partout, il est recommandé de faire ça sous la douche avec les yeux fermés. Petit conseil au cas où. Donc voilà. Le café est également très bon pour les cheveux. Oui, il leur permet d'avoir une super brillance. Donc vous pouvez par exemple vous préparer un petit expresso, vous le laissez refroidir et juste après votre shampoing, vous l'appliquez sur vos cheveux et vous le laissez poser plus ou moins 20 minutes et ensuite vous rincez tout simplement et vous allez avoir des cheveux brillants quoi. C'est un très bon soin antipelliculaire également. Vous prenez un petit peu de mare de café, vous le mélangez à votre shampoing et pendant que vous faites votre shampoing, vous massez votre cuir chevelu et ça va réduire les pellicules que vous avez. Alors la mare de café anti-cellulite, raffermissement. Oui, carrément. Alors je vous propose ici un massage anti-cellulite. Vous mélangez la mare de café avec de l'huile végétale et vous massez tout votre corps. Vous massez longuement, ensuite vous rincez à l'eau froide. Et je vous conseille de faire ça quotidiennement. Vous pouvez aussi faire un enveloppement anticellulite. Vous mélangez la mare de café avec de l'huile végétale, vous appliquez ça sur vos cuisses, vous enveloppez ça avec du papier cellophane et vous laissez poser aussi longtemps que vous pouvez et ensuite vous rincez et bien sûr vous faites ça quotidiennement également pour avoir un effet bénéfique. Alors les bienfaits du café pour votre santé, donc le café que vous buvez bien entendu, en quantité modérée. Alors selon l'International Coffee Organization, you know, voilà l'accent, ça s'en jette. Hein. Il réduit les risques de diabète de type 2, d'AVC, les maladies cardiovasculaires. Le café est également diurétique, donc il élimine l'excédent d'eau qu'on a dans le corps. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker ma vidéo, ce serait sympa. Et abonnez-vous si ça n'est pas fait. Soyez abonné à moi, comme ça vous serez au courant des vidéos que je poste. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.